préfère me confier à personne car ils parlent tous. La vie c'est dur, la vie c'est pas cool. C'est pas un cartoon. Faut charbonner pour faire un tatou. Hey, je veux que ma mère soit fière de moi. Dugai against Zaniti. Oh, he nearly stopped it. 5-3 on penalties. Algeria through to play the host Qatar in the semi-finals. Très bon match. Bravo à vous, les Marocains. Vous êtes bien battus. Très bon match. Non, moi je vanne pas. Très beau match. Très fair play. Très bien. Mais ça, à la fin, votre gardien il était bourré. Qu'est-ce qu'il a fait? Frérot, il sort d'où le gardien du Maroc? Non, 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 attention. Je ne vanne pas. Là, c'est de l'analyse professionnelle et sportive uniquement. Aucune vanne. Mais qu'est-ce qui lui est arrivé, les frères? C'est pas votre vrai gardien. Ouais, ça se voyait pas, hein. En vrai, non, non. Il y aura pas de vanne. Pays amour, Maghreb United. On gagnera la coupe des Arabes pour vous. Mais ça, faire quelque chose pour ce gardien de but quand même. Parce que frérot, tu m'aurais mis au cage. Il y a des buts, je les aurais arrêtés. C'est tout. Après, pas de vanne, paix et amour. La plupart des modérateurs sont marocains, donc au bout d'un moment, si jamais je vanne trop, ils vont pas être contents, ils vont faire sauter ma chaîne. Mais c'est bien les Marocains, c'est bien. Après, c'est pas grave, c'était l'équipe B, hein. C'était un match comme ça, on s'en fout. Vous aviez pas Hakimi, c'est pas grave. Non, mais c'est... Non. Bien joué. Bien joué à vous, les frères. Bien joué à vous, les frères, ça fait plaisir. C'était un match... C'était un bon match. Non, en vrai, mine de rien. En vrai, les frères. Parce que, en vrai, c'était sympa. Le match était bien à voir pour un match où tous les meilleurs joueurs ils étaient pas là quoi en gros. T'avais dit pas de vanne? Non, pas de vanne. Pas de vanne les gars. Franchement pas de vanne. Moi le seul truc que j'ai à dire voilà c'est votre gardien. Mais ça c'est pas vous. Ça c'est pas de votre faute si votre gardien il fait un mauvais match. C'est pas grave. Ça vous pouvez rien y faire. Vous allez pas... tu vois. Après le match il était bien. C'était fair play. Ça a pas joué en faute. C'était pas... Non c'était bien comme il faut. Franchement bon match. Ça gagne au penalty, un but de fou furieux du milieu du terrain, égalisation, tir au but, un match serré, non c'est incroyable. En vrai vaut mieux ça, et tu sais quoi, même en tant qu'Algérien, je vais vous dire un truc les frérots, je préfère ça plutôt que si une équipe ou l'autre avait mis 3-0. Parce que si jamais il y avait eu un 3-0 de l'Algérie ou un 3-0 du Maroc, tu vois, l'ambiance elle aurait été plus compliquée. Là c'est pas grave, tu vois, c'est un match serré, à la fin il y a eu les tirs au but, non c'est bien, bravo à vous. Ça faisait combien de temps qu'il n'y avait pas eu un match Maroc-Algérie par contre? 2019, je suis deg qu'il n'y ait pas... Mais moi j'avais pas compris, moi je savais pas que... Parce que bon écoutez, ça va peut-être vous surprendre ce que je vais vous dire. Mais ouais c'est vrai que j'ai pas beaucoup suivi la coupe des Arabes. J'ai pas trop suivi. Donc du coup j'étais pas bien au courant des règles et tout. Et moi sur le terrain je cherchais Mahrez. Cherchais Mahrez, je comprenais pas. Cherchais Hakimi, je comprenais pas. Je cherchais Ziyech, je comprenais pas. Cherchais Feghouli, je comprenais pas. J'ai vu Brahimi ça fait là depuis ce soir je savais qu'il jouait plus il jouait en Ligue 1. Il jouait où? En Espagne? Où est-ce qu'il jouait déjà Brahimi avant? À Porto, oui à Porto, au Portugal. Je voudrais pas que vous pensiez que je suis un footiste parce que j'en suis pas un. Je suis pas un du tout, attention je suis expert expert en foot. Non mais c'est bien. Non mais je sais que Brahimi, j'aimais des fois quand je voulais haggard des gens sur FIFA, je prenais Porto et je sais qu'il avait 5 étoiles gestes techniques. Il y avait lui et il y avait un autre qui avait 5 étoiles gestes techniques en Algérie. Pas Mahrez hein. Un autre. Oh Ben Debouz. Oui c'est Ben Debouz l'ancien. Ouais c'était Ben Debouz, il avait 5 étoiles gestes techniques. Il jouait où Ben Debouz déjà? Je sais pas. Enfin bref, Boudbouz, wesh, Ben Debouz, Boudbouz. Oui, Boudbouz, Ben Debouz. Il a écrit Ben Debouz, t'as vu que c'était loin dans ma tête. Moi j'ai sauté avec lui. Boudbouz il avait 5 étoiles techniques, je me régalais avec lui. Je connais Saint-Etienne. Bien joué le Maroc, c'était un bon match, ça fait plaisir. Bon arrêtez de marquer Tahia Jazair dans le chat là. On a dit paix et amour. C'est bon, on a fait le débrief. Les pauvres, les Marocains c'est nos frères. Vous allez pas non plus les complexer. Après c'est vrai que... Mais même Marquinhos il jouait pas. Marquinhos il a pas joué aujourd'hui, j'ai pas compris. Bon après j'ai compris c'est parce qu'il joue à Paris. Mais Marquinhos ça aurait été un bon atout pour le Maroc je pense. C'est dommage qu'il ait pas joué avec vous. Bah c'est vrai que la défense Hakimi Marquinhos que vous avez elle est quand même assez assez strong.
On n'est pas complexé, poteau. Non, mais il y a R. Mais moi, par contre, ce que je veux, c'est un vrai match. Un vrai match avec nos deux équipes prime. Tu vois, un bon match avec nos deux équipes prime en finale de la Coupe du Monde, ça serait magnifique quand même. Hein. Imaginez finale de la Coupe du Monde Maroc-Algérie, frère. Je pense que la France explose plus vite que le Maghreb lui-même. Je pense qu'en France, ça pète plus qu'en Algérie ou au Maroc. C'est la guerre. Si jamais il y a. Est-ce qu'il y aura les élections présidentielles avant la Coupe du Monde ou après? Mais est-ce que le Maroc, vous êtes qualifié à la Coupe du Monde aussi? Avant, et oui, les deux sont qualifiés. Élection avant, ok, ça va. Personne n'est qualifié, ah ouais? Même nous? Arrête tes bêtises. On a fait que mieux, vous, au groupe. D'accord, Arkizus, ça fait trois fois que tu mets le message, on l'a vu. C'est bon, Arki, c'est bien. Vous avez fait mieux que nous au barrage, c'est bien. Palmarès du Maroc a fait mieux que l'Algérie au match de barrage. Attends, dommage, j'ai pas la coupe de on a fait mieux que vous au barrage, sinon je te l'aurais donné, Arki. Désolé. Vous a mis 4-0, ah oui, eh ben, tiens, j'ai pas non plus la coupe dont vous a mis 4-0 en 2006, je l'ai oublié. Merde, j'avais prévu une petite médaille et tout, une petite médaille avec un petit truc. Et après quoi, tu vas me dire, oh, c'est quoi votre code PIN? 4-0, marrant. On se marre bien, c'est bien, on est bientôt en 2022, hein. J'étais au collège quand vous avez mis 4-0, les gars. Je sais pas si vous vous rendez compte, j'ai quand même redoublé 3 fois, ok? Vous me sortez encore le 4-0 qui s'est passé en 1992. Sur une échelle de 1-10, vous avez passé une journée à combien? Une bonne journée à combien pour voir un petit peu? Comme ça foudrait un petit peu le reste des messages des gens qui veulent faire passer, des Marocains qui veulent dire des trucs. On ne les verra plus. Eh ouais. Et allez, cher les Marocains. On ne voit plus vos messages. Et toc. Deux, je me suis fait une luxation de la rotule, putain. Ah ouais? Tiens. Vous aimez bien son histoire, les frères? Marquez oui si vous aimez bien ou marquez non si vous aimez pas bien son histoire, juste pour voir un petit peu. D'accord. Là, ça va, les gens, ils ont l'air de bien aimer. Comment t'as fait ça, mon frère? Bon, là, on va avoir un petit peu de mal à lire tes messages, puisque le chat, il est un petit peu spam. Mais non, c'est bien. Nous, il y a une ostéopathe qui est venue à la maison. Il y a une ostéopathe qui est venue à la maison et elle a fait un massage à tout le monde, là. Enfin, un massage. C'est pas vraiment un massage, c'est des trucs d'ostéopathie. Moi, j'ai pas voulu le faire parce que j'ai un peu peur. Moi, vous le savez, je suis un peu un mange-merde. Je suis un peu un mange-merde sur les trucs comme ça. Et du coup, je l'ai pas fait. C'est trop bien ça. Ben, je sais pas, j'ai vu que c'était de la pseudo-science et que c'était pas vraiment officiel. En vrai, ça te met bien l'ostéopathe, mais ça te casse en deux sur le moment. En fait, j'ai du mal. C'est bizarre ce que je vais vous dire, mais putain, je sais pas si c'est un truc à dire ça. Mais en gros, pour moi, un massage de quelque sorte que ce soit, c'est vachement. Pas sexuel, mais c'est. Tu vois, c'est quand même intime. Et j'ai pas envie de me faire masser par n'importe qui, en fait. Érotique. On va dire érotique. Et j'ai pas envie qu'il y ait n'importe qui me tripote. Je sais pas si où est-ce que je veux dire. Ça va être une meuf. Mais non, mais là, c'est une meuf. Là, c'est une meuf. Mais en fait, même si c'est une meuf, j'ai pas envie qu'il y ait une meuf qui me tripote. T'es jamais allé chez le kiné? Non, jamais, frère. Même le médecin et tout, j'y vais rarement, hein. J'y vais rarement de fou, hein. J'aime pas qu'on me touche. Ça me dérange pas d'être tactile avec quelqu'un que j'apprécie. De toute façon, tactile, ça veut pas dire je malaxe l'entrejambe, tu vois. Ça veut dire, genre, en gros, je vais mettre ma main sur le bras, je vais mettre ma main sur l'épaule, tu vois, genre je suis quelqu'un de tactile. Tu vois ce que je veux dire? Je vais, quand il y a un truc qui va me faire rire, je vais checker et tout. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Mais par contre, si c'est quelqu'un que je connais pas, j'aime bien quand on se touche pas. Tu vois, j'aime bien que tu restes dans ta distance, moi je reste dans la mienne et on interagit de loin comme ça. Même si on se tape une barre de fou. Et là le problème c'est que une meuf qui vient qui masse, j'ai pas trop envie. Oui, étrangler aussi t'aimes bien. Avec les gens que j'aime bien. Genre, si on est potes, si un jour, Arki, tu viens à la maison et que je te fais l'étranglement, ça veut dire que c'est dans mon cœur. J'étrangle que des gens que j'apprécie. Faut pas voir comme ça comme un massage aussi. Elle me touche, quoi, hein. Elle me touche beaucoup, hein. En fait, déjà, de me mettre en caleçon devant une meuf, parce qu'elle fait en caleçon normalement, non? T'es un peu à poil, hein. Ou est-ce que tu peux le faire habiller? Ah non? Ah, déjà, c'est bien ça. Non, t'es torse nu. Ouais, déjà, bah frère, ça c'est. Je sais pas, j'aime pas, frère. Oh, bah bou, il est pudique. Mais moi, je suis pudique de baiser, hein. Mais c'est pas parce que vous me voyez en stream, en train d'animer vos soirées tous les soirs que je suis pas quelqu'un de pudique, les gars. Oubliez pas que moi, de base, je suis pudique et introverti. Je ne sais pas comment je me retrouve à être streamer. FC pudique, j'avais pris de douche dans les vestiaires. Si, moi. Si au foot ça prenait des douches. En caleçon. Attention, parce que les gens qui se douchent nu intégral dans des douches collectives, au foot ou au rugby ou je ne sais pas quoi. Alors vous, non, c'est bien, hein. Force à vous, c'est bien. Mais pas chez nous, chez toi, dans ta maison, tu te douches tout nu. Pas dans mon vestiaire, tu viens pas. Et ça n'a rien à voir avec l'orientation sexuelle. Il y en a un mec, il a dit, je suis gay et alors, super, c'est bien, tu as le droit d'être gay. C'est bien, force à toi. Oui, tu as le droit d'être gay. Je ne veux pas voir ta bite. Je n'ai pas envie de voir ta bite. Tu, tu,
Tu fais ce que tu veux, mon frère. Mais garde ta bite pour toi. Tu n'as pas à m'imposer ton pénis. Tu veux te doucher, tu viens, tu mets ton caleçon. Tu prévois un deuxième caleçon, tu mets une serviette autour de ta taille quand t'es sorti de la douche, tu fais tomber ton caleçon et tu refais monter un caleçon. En dessous de ta serviette, au-dessous de ta taille. Normalement, c'est comme ça. Frérot, un jour, je l'avais déjà raconté. Bon, c'était en early stream, donc ça va, il y en a plein qui connaîtront pas cette histoire. Mais vous le savez, j'ai une expérience en futsal. J'ai une expérience en futsal, voilà, je jouais au futsal en semi-pro. À l'époque où je n'avais pas ce gabarit. Je faisais du futsal en semi-pro. Oui, vous allez me dire, oui, semi-pro, t'abuses et tout, je sais pas quoi. Oui, on était en futsal. Faut savoir qu'il y a moins de divisions que. Après, semi-pro, ça veut pas dire que j'étais fort, attention. Hein. J'étais cool, tu vois, j'étais ok. Mais en gros, en futsal, je crois que c'était là. On était en DH et c'était juste en dessous de la Ligue 2. Et juste en dessous de la Ligue 2, c'est du semi-pro voire du pro. Hassoul, restez en chien les rageux, c'est la vérité. Yacine, il est en haut, je peux même le prendre à témoin. Enfin bref, du coup on se déplaçait. On faisait des matchs de déplacement. On se déplaçait, on faisait des matchs et tout. Et un jour, on se déplace dans une équipe. Chez une équipe, tu vois. Et ce qui se passe, c'est que à la fin, on va pour prendre des douches. Et nous, c'était vraiment la première fois qu'on était à aussi haut niveau et qu'on se déplaçait aussi loin pour faire des matchs. On match une équipe et à la fin du match, on leur dit ouais, c'est où les douches? Ils nous disent ouais, c'est là-bas. Et normalement, on avait l'habitude qu'il y avait des vestiaires. Vestiaire équipe visiteuse, vestiaire équipe extérieure. Normalement, c'est logique. Sauf que eux, leur vestiaire il était cassé ou je sais pas, tu vois, alors il y avait des travaux ou un truc comme ça. Du coup ils nous disent ouais, ça vous dérange si on prend les vestiaires de l'équipe visiteuse aussi, vu que nous on en a pas. Nous on leur dit bien venez les frères, y a pas de galère, on est en bleu sang, on venait de les gagner, tu vois, viens petite pute. De toute façon, on vous a baisé, qu'est-ce que tu veux, tu vois, y'a pas de galère. Et frérot, nous on se douche. Donc nous on se douche, on est en caleçon, y'a pas de galère, on se douche, tu vois, tac, ça se frotte et tout. Ça se met son petit shampoing, ça frotte les bûches, ça se met sous les aisselles. Tu vois, normal. Frérot, ils sont arrivés sur la tête de ma mère. Frérot, ils sont arrivés, je crois, 6-7 d'un coup. 6-7 d'un coup, à poil poil. Quand je dis à poil poil, c'est à poil poil. Hein. T'as vu, moi des fois je dis à poil et c'est genre en caleçon. Non, là c'était à poil poil. À poil poil, bien poilu. Bien homme de Cro-Magnon, tu vois. Et nous on était dans les douches et on commence à péter un câble. Quel âge? Je sais pas, c'était des. Genre, on était tous entre 20 et 30 piges. Tu vois ce que je veux dire? On était tous entre 20 et 30 piges. Entre 19, 30 piges. En gros, entre 18, entre majeur et 30 piges, tu vois. Et nous, frère, on les voit, on voit leur tub et tout comme ça. Donc on commence à péter un câble. On est dans la douche, tu vois. On se dit, on fait quoi là? Soit ça part en partouze, soit on se bat avec eux, frère. Il faut prendre une décision, tu vois ce que je veux dire? Là, ça peut, c'est plus possible. Il faut qu'on réagisse, tu vois ce que je veux dire ou pas? Du coup, il y en a un, il s'est embrouillé avec eux. Il leur a dit, non, les gars, si jamais vous voulez vous doucher. Bon, il leur a pas dit sur ce ton là. En vrai, c'était. Frérot, si tu veux te doucher. Si tu veux te doucher, tu mets un slip. Il commence à péter un câble. Tu sais, on était dans un. C'était un peu un village. J'ai pas envie que ça m'accuse de racisme, mais en gros, voilà, nous on était un peu une équipe d'arabes. Eux, c'en était pas. Voilà, il y avait un petit peu de tout, mais eux, c'était pas trop des arabes. Et ils commencent à dire non, frérot, nous on est chez nous. Si on veut se doucher à poil, on se douche à poil. Tu vois, genre le mec, il avait vraiment des vraies valeurs accordées. Au fait, se doucher à poil, genre lui c'était un combat. Non, nous on se douche à poil. Dis mais frérot, non, mais alors attends qu'on ait fini de se doucher, tu vois. Non, vous êtes chez nous. Si on veut se doucher à poil. Mais le truc c'est que tout ça, faut savoir que le mec quand il parle, il est à poil, hein. Ça veut dire là, il est là comme ça, il est debout. Ah non, non, moi je me douche comme ça, je fais ce que je veux, tu vois, il fait des petits mouvements de hanche comme ça. Tu vois ou pas? Ça veut dire que tout le monde il commence à péter la haine. Au final, eh ben, on s'est rhabillé et on est reparti. La moitié d'entre nous s'était pas douché. Donc du coup, vu qu'en plus on était en voiture, il fallait faire du trajet. Eh ben ça puait bien comme il faut dans les voitures. C'était super chiant. Moi j'étais très content. Grâce à ça, j'ai pu dodge une douche. J'étais vraiment au max. J'étais vraiment super heureux. C'était un bon petit dodge. Merci. Moi je temporisais au max. Et donc du coup voilà, tu te laves en t-shirt? Non! En caleçon frérot. Et en plus à l'époque je mettais même pas des caleçons parachute. Donc déjà c'était un peu limite. Mais ouais non, c'était en fait déjà moi le fait de voir deux grands gaillards s'embrouiller, un en caleçon et un l'autre complètement à poil, frérot. Et bon après je vais pas dire que je regardais, tu vois, je regardais pas. Mais je voyais, tu sais, des fois quand il y avait des petits gestes qui étaient faits, il y avait ça. Ça valsait, tu vois, c'était marrant, c'est une embrouille originale quand même. Le pire c'est les rues du man, tout le temps ils se douchent à poil. C'est le même problème, hein, même combat. C'est un autre niveau. Ouais, et moi j'imagine la bagarre. Ben je pense que personne n'avait vraiment envie de se battre avec eux. Moi j'étais pas encore à poil, genre moi j'étais assis sur les comptoirs là. Plus comment ça s'appelle, tu sais, il y a des petits bancs. Moi j'étais assis, je suis là, j'enlève mes chaussettes, j'enlève mes trucs et tout. Et du coup je regardais l'embrouille comme ça. Et en gros il y a 6 mecs qui sont arrivés, qui étaient genre eux ils étaient plus proches de l'entrée, nous on était plus proches des douches. Comme ça vous allez bien vous imaginer, tu vois. Nous on était plus proches des douches, ils étaient plus proches de l'entrée. Et du coup ils ont commencé à traverser le couloir en passant devant nous. J'étais 5-6 complètement nu à poil. Ça veut dire moi j'étais comme ça. Je regardais, en plus j'étais au niveau des tubs puisque j'étais assis. Et je regardais l'embrouille et il y avait 5-6 mecs qui étaient à poil en train de s'embrouiller avec 3-4 autres mecs qui étaient en caleçon. Moi je regardais comme ça. Qu'est-ce qu'il fait Nathéos? Allô? Oh. Putain! Ah! Oh mon dieu, mais ouais! tu,
fais quoi? Horreur, attends, je te regarde un peu. Non. Attends, je me mute, vas-y, joue. Let's go, je stream et non stream, moi je fais rien. This is Elon Musk. Et vous, vous vous subez, let's go. Trop bien, streamer, sa mère. Est-ce que je vais pas lui faire peur? Attendez, je vais... Attendez. Mais Zubby, il a fermé la clé. Il a fermé la clé, les frères, c'est terrible. En fait, je peux aller dans la chambre de Loli et taper dans le mur pour lui faire peur. Mais c'est le max que je peux faire. Oh, c'est la mienne, c'est la mienne. Je sais même pas si j'ai une clé. Attends, est-ce que j'ai une clé, moi? Ok, je vais taper dans le mur, mais bon, je vous garantis pas... Je vous garantis pas un effet incroyable, hein. Oh, fils de pute, nique ta mère. Nique ta mère. Ok, si ça va. Oh, je suis mort. J'ai même pas vu, moi. Par contre, je peux ouvrir ses volets. Je peux ouvrir ses volets en scred, les gars. Attends, je comprends pas, essaie d'articuler, putain. Je peux ouvrir ses volets en scred et rentrer par sa fenêtre. Attendez, c'est un peu compliqué à mettre en place, mais attendez. Bah non, c'est son esprit, là. L'esprit de la meuf. Oui, là, je joue mon esprit à moi. Ok, son volet il s'ouvre. C'est quoi ton objectif là? Attends. Est-ce qu'il a remarqué que son volet s'ouvrait? Non, il a pas remarqué. Vous l'avez vu, son volet il s'est ouvert? Ok, attends. Je suis essoufflé. Oh non, il a vu. Ils ont ouvert mon volet, mais comment ils ont fait? Je vais péter un câble. Mais il a. Tu dois avoir une télécommande centrale à tous les coups. Mettez-leur tous des bonnes paires, mais je vais péter un câble. Je vais le refaire. Je suis deck, sa mère. Et il va se battre là. Il est prêt à se battre. Mais comment ils ont fait, wesh? Attends, mais comment ils ont fait? Mettez-leur tous des bonnes termes, s'il vous plaît, au Poucave. T'as pas une fonction sur le téléphone? Ils vont tout faire là pour me faire flipper là. Ah bah je ne peux pas jouer au jeu. Ah mais je, si. je ne peux pas jouer au jeu comme ça. Là vous avez vu, il a le casque sur une oreille. Quoi 6, que je passe, ils m'entendent. 8-0, il faut attendre, tant pis. On profite du stream, on kiffe. On regarde le stream de Nathéos, c'est cool. Regardez, il check ses volets là, il faut qu'il oublie. J'ai envoyé e-chance pour qu'il lui dise de remettre son casque bien, parce qu'il est en vocal avec lui. Peut-être si elle me chase et que... Magnifique, il l'a remis. C'est bon, il l'a remis. Et qu'elle me chase et parfait. Que je l'amène vers la vaisselle, peut-être qu'elle va s'arrêter pour faire la vaisselle. Je fume une clope. Oh, et j'y vais. Ouais. Bon, laissez prendre la confiance. Il prend la confiance, là, il dit c'est bon. Il y a un insecticide dans sa tête. Là, ils ont des trucs à foutre quand même, ils sont en live et tout, ils ont des trucs à foutre. Et tu peux prendre le couteau? Non, je peux pas. Peut-être que t'attends que le... Ah, peut-être écouter le message radio en entier, ouais. Ouais, je pense qu'il y a ça à faire. Coupe le courant, mais ça va faire cut son live. Il a recheck la fenêtre et il a relevé son casque. Mais ma lampe torche, c'est pas normal qu'elle marche aussi peu. En gros, il faut que je monte. Il y a un bouton pour. En fait, il y a un bouton qui ouvre et ferme tous les volets en même temps, ok? C'est-à-dire, il faudrait que je monte, que j'ouvre son volet. C'est horreur, sérieux. Que je sorte, que je descende. C'est trop dur, frère, wesh. Et en plus, là, c'est trop calme là. Mais je pense que tu devrais mettre ton casque sur les deux oreilles pour entendre si ça vient de droite ou de gauche ou quoi. Mais va te faire enculer, vous me faites des. Vous me non. Vous avez. Bon, ça, si. Mais vous recevez des DM de Thomas, mais vous me prenez pour un fils de pute ou quoi? C'est logique, wesh. Eh oui, allez, nique ta mère. Allez, nique ta mère. Oh, ça y est, nique ta mère, ça y est. Laisse-moi tranquille. Zepi, il est trop sur Kiwi, c'est pas possible. Laisse-moi tranquille, frère. Ça me suffit, le jeu, wallah. Tiens, ils vont m'ouvrir mon volet, ils vont m'ouvrir ma porte. Oh, attends. C'est bon, la clé sur le verrou, ils peuvent rien faire. Mais oui, il y a la clé sur le verrou, j'ai trop la haine. Attends. Attends, il vient de dire si, il y a un truc. Non, il peut rien faire. Il est sur mon stream. Après, regarde le jeu auquel je joue. Et il va voir quand il va jouer à un jeu d'horreur, lui. Ok, je vais pisser, je reviens, les gars. Un jeu d'horreur. Hop là, et moi je reste ici. Je joue au jeu. Vous pouvez rien dire. Non, arrêtez! Nique ta mère! Non, j'arrête de jouer, frère, ça y est. Mais non, continue. Ah mais wesh. Mais en vrai, joue, mets ton casque et focus que sur le jeu. Mais va te faire enculer, toi. Je veux que je meure, en fait. Vous savez que je peux mourir. Je suis cardiaque. Bras ouvert. Oui, tu peux mourir trois fois même. Mais je suis cardiaque, mec, je suis cardiaque. Nique ta mère. Nique ta mère. Nique ta mère. Wesh, mais il se passe quoi? Je sais pas. Ils m'ouvrent mes rideaux, mec! Comment ils font, frère? Oh, non, c'est pas possible, les gars. Ah, j'en peux plus.
Parce que... je cours en haut. Après, faut que je recours en bas. Et quand ça marche pas, faut que je recours en haut. Là, c'est... non, non, non. C'est trop dur. Ils font des strats de baiser, frère. J'y arriverai pas. Non, je suis tout seul. Ah, Thomas, il a dit c'est trop dur. Il abandonne. En fait, même s'ils font rien, je vais avoir super peur. Je vois pas pourquoi ils font des trucs. C'est pas worth. Vu qu'il y a la clé dans sa serrure à lui, eh ben, je peux rien faire. À tous les coups, tu dois avoir un truc à ramasser ou un bail du genre. Nique ta mère! J'ai un ultra instinct, Thomas! Tu ne peux pas! Ils pourront pas sortir la clé de ma porte parce qu'elle est genre en sens inversé. Je connais toutes les strates, frère. Tu vas rien pouvoir faire, mec! Ma clé, elle est enfoncée en travers! Oh, fils de pute! Vas-y, vas-y, essaye! Mais ils sont à 4 devant ma chambre! C'est des malades mentaux! Ils vont enfoncer ta porte, hein. Oh, il va aller, ça va finir, il n'y aura plus de porte. Je suis furieux, frère, wesh. Je vais avoir assez peur comme ça. Mais c'est pas possible, ce mec, frère. Arrête. Mais en fait, je vais pas avoir peur puisque je sais que t'es là. C'est même pas moi. Je vois la clé bouger. Et il y a un mec devant et il pense, je n'entends pas, genre. Il était à deux doigts de l'avoir mis droit et je l'ai remis. Et je vais faire ça en perma. En fait, il faudrait qu'il y en ait un qui l'attire à la porte et un, oh qui... bah, j'essaie encore. Et un qui l'attire à la fenêtre. J'ai juste ouvert. C'est le moment du cahier, ouais, je pense. Il y a Jules qui était en train de cliquer comme ça. Bah, c'est bon, on a tout ce qu'il y a. Le truc là, c'est. Ouais, il y est là. Non, faut juste tourner la page. Ouais, une fois qu'il a tourné la page, c'est fou. Viens chercher. Voilà, je l'ai mis dans mon sketch, j'en ai rien à foutre. Ils ont réussi à rentrer. Apparemment. Mais je vais attendre ta frère. Mais non, Pélo. Genre, même pas un dixième de ce que t'as fait. Y'a tout le monde dans sa chambre. Allez, casse-toi maintenant. Ou viens chercher, viens. Mais en fait, Thomas, son stream, c'est. Le stream, c'est. Je regarde le live de Mathéo. Oh, Luc, je vais refermer. Ils m'ont enfermé dans ma chambre. On l'a baisé. On l'a enfermé à clé, on a mis la clé dans la porte. C'est au bon endroit là, le cahier c'est bon. C'est au bon endroit, faut juste que tu tournes la page. Non mais attends, non mais je vais juste arrêter de jouer là. Ta gueule. Oh sa mère, j'ai trop peur, je croyais que c'était chez moi. Pareil. Ah ça a marché. Ouais mais ça fait trop peur. Là il arrive. Ouais je... j'ai cru qu'il y avait un mec qui frappait à ma porte. Oh, j'ai trop peur, sa mère. Il croit que j'arrive alors que j'arrive même pas. On y arrive pas. Oh, mais il est complètement. C'est un malade mental, wesh. Mais là, ça m'a même pas surpris. Même pas sérieux, j'ai même pas eu peur. Mais j'avais le son à fond. J'étais encore sur le truc des bruits de porte. Ok, attendez, j'attends un peu. Ah par contre là, je vois plus rien du tout, frère. Faut le laisser. 2-3 minutes, mais un P par pitié. Moi, je veux bien une. Attends, ok, celui-là, je te l'en. Oh, attends, c'est quoi ça? Ça m'étonne pas. Je suis enfermé. Oh, c'est trop marrant, sa mère. Dans les objectifs facultatifs, t'as rien. Zama il check ses angles morts de temps en temps, là, t'es un pub. Coup, tu dois trouver un livre. Il est dans un rond-point suisse depuis 3 secondes. Et du coup, il est censé être là. Ouais, là. Inch'Allah. Ah, become one with the reflection. Become one. Ah. Mais il fait que regarder son retour, je crois qu'il regarde mon stream. Ah ouais, mais je suis pas super fan de cette ambiance. Ah, c'est ici qu'il y a que le gros porn en moment.
Ah non, ok. J'en ai marre. Comment il fait, frère? J'ai fait trop doucement. Tu marches bien dans le jeu, quoi. Sacrifice. Prends mon pire, tu lis, Mac. Ça m'a montré le doigt de ta kilote, SB. Je veux bosser ta kilote, t'es trop bon, SB. Nick Mok. Comment je bosse ta kilote, comment t'es bon, SB. J'aime trop ton œil de rire. C'est vrai que ça aurait été un bon bait, c'est vrai que ça aurait été un bon bait. C'est bon frère, je give up, nique ta mère Manathéos frère, c'est un truc de fou. C'est trop un tryharder le frère, sérieux. C'est trop un tryharder frère, tu veux que je fasse comment? Je suis là, je suis essoufflé, j'en peux plus frère, je donne tout ce que j'ai. Non mais sérieux, dis à qui de son PC. Ah, putain il crie sans moi frère, j'ai trop la haine. J'examine, j'assassine tous les faux qui parlent, juste parce que je pourrais percer. Depuis petit, j'ai les crocs, ils veulent ma peau, mais n'ont pas eu les couilles de chasser.